Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 31e épisode du journal de bord d'un étudiant en prépa. Nous sommes le lundi 15 octobre. Que dire de cette journée? Eh ben, c'est déjà la dernière semaine avant les vacances. Donc, je pense que les vacances vont faire beaucoup de bien pour nous. Ça va être un moyen de se ressourcer, ça va être très agréable. Bien évidemment, je pense que je ferai pas de vidéo pendant les vacances, ou alors une petite vidéo un petit peu plus méthodologie pour expliquer comment je m'organise un petit peu. Voilà. Même si pour l'instant c'est un petit peu le bordel sur mon bureau. Donc je ferai probablement ça pendant les vacances. Voilà. Sinon, cette journée. Alors, nous avons commencé par 3 heures de maths sur de la trigonométrie. Pas très compliqué, beaucoup de rappels. Rappels de collège, première, collège, lycée. Donc, pas très compliqué. Voilà. Un petit DS d'info à 13h. C'était sur quoi? C'était sur. Que je dise pas de bêtises. Sur le produit vectoriel, produit scalaire et projection. Tout ce qui est projection. Voilà. Donc globalement ça a été, je pense que d'après ce que j'ai entendu, je me suis trompé dans ma projection au début, ma figure. Mais je pense que c'est le cas de pas mal de monde, donc on verra s'il sera plutôt indulgent sur sa notation ou pas. Mais à part ça, j'étais plutôt content de ce que j'avais fait. Voilà. On a eu un faux, j'ai eu 12 à mon test. 12 sur 29, j'ai oublié de le préciser. Un peu plus de 8,7. Donc, c'est pas trop mal. Il y a des endroits où j'aurais pu, où j'ai fait un petit peu preuve d'inattention. J'aurais pu me reprendre et faire les choses un peu mieux. Mais par manque de temps, j'ai voulu essayer d'en faire le plus possible. Et dommage. Mais globalement, pour un premier test, ça va. Et puis, on a fini la journée avec 2 heures de physique. Enfin, physique, fini. Pas encore. On a fait 2 heures de physique sur l'électricité. L'électricité, c'est vraiment un truc qui me plaît. C'est pas compliqué, l'électricité. Il faut juste avoir du bon sens. Et ça, c'est vraiment cool, l'électricité. C'est un chapitre que j'aime beaucoup. Donc très intéressant. On a fait tout ce qui est loi de Kirchhoff, pardon, loi des mailles, loi des nœuds. On a travaillé sur la résistance aussi pas mal, sur les graphes, les caractéristiques qui sont en réalité des graphes, des fonctions, l'intensité en fonction de la tension. Donc voilà. Voilà un petit peu ce qu'on a fait en physique. Et puis j'ai eu colle de maths avec Monsieur Jonathan Duval, réputé pour être un colleur intransigeant. Et effectivement, on l'a bien vu. Au final, j'ai eu 10, ce qui est pas trop mal. Voilà. Ni déçu, ni très content. Donc, je dirais que c'est une note que je mérite. Voilà. Voilà un petit peu pour cette journée. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Courage avant les vacances. J'ai vu qu'on avait dépassé la barre des 50 abonnés, donc bah merci à vous de vous être abonné. Si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous. Ça me fera plaisir. Partager cette vidéo autour de vous,
pour les gens qui ne connaissent pas la chaîne, ça peut-être les intéresser. Et je dédie cette petite vidéo à Aubin qui se reconnaîtra, qui m'a encouragé à remercier mes 50 abonnés. Voilà. Bonne soirée, on se retrouve demain. D'ici là, restez curieux, amusez-vous. À demain!